C'est ta ration, Pascal? C'est que tu pars, dis-moi. L'ordonnance. Toujours de parler avec une boîte de fruits à la gueule. Et lui, il va où lui? Qui c'est lui? Je vais chercher mes 4 quarts. Gaston! Viens voir, montre-toi si t'es beau. T'as passé un bon week-end? Ah, très bien. Très beau. C'était sympa? Bon, très bien. Bon. Okay. Impeccable. Bon, tu vas aller voir le frangin? Oui. Bon, eh bien, allez. On se charge et on y va? Voilà, on y va. Allez, à on est parti. Ok. Et là, c'est la descente. Ouais. Je fais un petit point de vidéo sur le pic du Midi. Pic du Midi, en face de nous, là. Et ben, on va direct sur Tarbes. Tarbes, Lannemezan. Et puis. Le tunnel du Bielsa. Et voilà, on attaque les Pyrénées. On vient de se faire une petite pause à Sarrancolem. Et là, on est reparti pour 90 km. Traverser les Pyrénées avec le cousin Daniel devant. La force tranquille. 1200 GS avec roue à crampons. Ah, il est équipé le gazier, il peut rien lui arriver. Ouais, j'ai les commentaires du poteau Ludo dans l'oreille. Ah, il est concentré quoi. Oh putain, il aime pas la caméra, il est un peu sauvage, il faut dire. Non, non, c'est une voie normale, mais il y a un feu, hein, donc le feu, si c'est rouge, il faut attendre des fois 10 minutes, quoi. Parce que c'est un bypass, quoi, il faut passer, enfin, les fois où je suis passé, il faut passer que d'un sens à la fois, quoi. À l'Espagne.
baisse-toi. Approche, je te vois pas. Approche, baisse. Ah, t'es vraiment vilain, quoi. Étape 2, deuxième jour, enfin troisième jour si vous voulez, mais deuxième jour sur la descente espagnole. On vient de partir d'Ensa et on va vers Cyriñena par les petites routes. On a quitté les grands axes. Ouais, moi je t'entends et toi tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. On arrive là-bas, bah, dans 50 km, c'est là-bas. Allez, on est parti, on vient de quitter Cyriñena et on descend plein sud sur les pistes. Donc pour l'instant il y a encore du goudron, mais à un moment donné il n'y en aura plus. Il n'y a plus de goudron, donc on roule tranquille. C'est de la piste, c'est du DFCI, quoi. On arrive dans les Tozales. Je pense qu'il va y avoir moins de végétation. Parce que là, c'est une grande plaine aride, quoi. Mais c'est vert quand même, hein. Je pense qu'ils ont eu de l'eau. Hein. Ouais. Et là, l'ermitage, la chapelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, Saint-Miguel. La chapelle de la Saint-Miguel. Great big hill of hope for our destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey!
là c'est le Tozal. Alors lequel c'est celui-là? La Cabeta, je crois, ou le Solitario, ou un autre. Voilà, on regardera plus tard. C'est pour ça qu'on est là. Et là, on est vraiment sur un paysage typique des Monégros, quoi. It's where the wind blows.
Ermitage de San Miguel, 11 km. Ouais, d'accord, c'était là. Allez, ça marche. Tout droit et à droite. Ouais, vas-y Daniel. Tu parles à Daniel, il veut pas passer devant. Il est où ? Il veut pas passer devant. Allez, là on va finir la dernière partie de la traversée des Monts Negros avec ses tozales. Donc là tout de suite on est revenu sur une plaine verdoyante. C'est marrant, en quelques kilomètres tout change. Et on se dirige vers la Sierra Albuquerque, toujours dans le Monts Negros. Alors c'est un peu plus montagneux apparemment. On va voir ça. Je te laisse là. Comme tu peux voir, ben, c'est bien sympa. Quoi. Bon, la piste, voilà, tu es à 30 à l'heure, hein, 30-40. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music for the set man. But can you imagine when the race is won? And turn our golden faces into the sun. And praising our leaders, we're getting in tune. The music played by a madman. Forever young, I wanna be forever. Do you really wanna live forever? I wanna be forever. Do you wanna live forever? Forever. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. But don't they stay? It's so hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth's like diamond in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Let it come. Forever young, I wanna be forever.
comment est-ce que t'as? Farlat? On est à Farlaté. Do you really want to live forever? Je fais gaffe parce que... Putain. Attention, gros caillou au milieu de la piste. Arriver plus à l'ouest. C'est pas grave, on va refaire les 7-8 km de route. Là le passage c'est con, après ça passait peut-être, il y a peut-être que 3-4 cailloux, le virage en épingle, je sais pas quoi.
fin de cette première vidéo sur la descente, la traversée du désert des Bodegros. Et bien, comme le disait l'ami Seb, c'était très très bien. Mais c'était vraiment très bien. Je vous retrouve au deuxième épisode. Pour cette fois-ci, la découverte du désert des Bardenas. Je te dis à bientôt. Ciao.